Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Nous avons la joie et le plaisir de vous apprendre, dans certains de nos rappels vidéo, un beau bouquet d'évocation et d'invocation, de protection parfumée pour embaumer vos belles journées, et pour vous préserver et vous protéger de tout mal par la volonté de Allah Ta'ala. Nous vous appelons donc à vivre chaque jour avec ces paroles d'évocation bénies. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons vous transmettre ce que l'on dit avant de manger et après avoir mangé et bu. Avant de manger, il est bénéfique de dire la parole suivante. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adhaban-nar. Ce qui a pour sens, ô Allah, accorde-nous des bénédictions dans ce que tu nous as accordé comme subsistance et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Il est aussi bénéfique de dire la parole « Bismillah », ce qui a pour sens « Je commence par le nom de Allah ». Celui qui a oublié de dire « Bismillah » au début du repas dit « Bismillah awwalahu wa akhirah ». Ce qui a pour sens « Je cite le nom de Allah à son début, c'est-à-dire du repas, et à sa fin ». Enfin, voici des invocations qu'il est conseillé de dire après avoir mangé et bu. Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ce qui a pour sens, la louange est à Allah qui nous a donné à manger, qui nous a donné à boire et qui a fait de nous des musulmans. Ou encore, Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana وَصَوَّرَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا. Ce qui a pour sens, la louange est à Allah qui nous a donné à manger, qui nous a donné à boire, et qui a fait que cette nourriture puisse passer facilement depuis la gorge. Il lui a accordé une issue. Je demande à Allah qu'il fasse que nous soyons de ceux qui, lorsqu'ils écoutent de belles paroles, ils les suivent et appliquent au mieux. Retrouvez chaque vendredi un nouveau rappel donné par un petit musulman sur notre chaîne YouTube. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.